Welcome to the Math Computer. Please wait while the video loading. Salut à toutes et à tous, les amis, c'est MadKiller et on se retrouve sur la suite de notre aventure de The Longest Journey. J'avais perdu le nom. La dernière fois on avait parlé avec Brian Westabooz, malheureusement on n'a rien d'autre à faire de ça. C'est une potion de couleur brune, légèrement trouble. Ouais, du whisky quoi. Ah, est-ce que je lui ai fait signer le papier, non? Non, bah non. Signez ceci s'il vous plaît, c'est pour confirmer que la remise a été faite. C'est entendu. Donc voilà, on avait parlé avec lui et du coup, bah, il n'y avait rien de plus à faire. Bah, j'ai fait signer le papier et puis bah, on se barre. Attendez une seconde, mademoiselle Ryan. Quelque chose me revient à l'esprit. Il y a tellement longtemps, oh, j'ai presque oublié, Manny m'a donné quelque chose qui peut vous intéresser. C'était quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une montre à gousset. Manny me l'a donnée la dernière fois que je l'ai vue. Oh, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais vous le savez peut-être. Il a dit quelque chose à ce sujet? Il a simplement dit que lorsque son cœur battrait de nouveau, il le saurait. Ce serait comme un message en morse, un signal. Oh, cette sacrée montre n'a jamais fonctionné et le mécanisme est cassé. Elle ne vaut pas grand-chose. Vous pouvez la garder si vous voulez. Merci. Bah écoute, ouais. Attendez, je vais regarder un peu cette montre. C'est une ancienne montre à gousset. Plus de tic-tac. On dirait que le remontoir de la montre est cassé et il reste qu'un trou minuscule. Allez, un trou minuscule. Qu'est-ce qu'il y a ces petits pour entrer dans un trou minuscule? Si j'insère soigneusement cette épingle dans le trou, comme ça, et que je la fais tourner doucement, ça a marché. Elle fait tic-tac. T'as mec, t'es con, ça fait combien de temps que tu l'as? 300 ans, là? Ça y est, j'ai réussi le franchissement. Je peux revenir chez moi. Nom de Dieu, c'est un franchissement. Il y a des lustres que je n'en ai pas vus. Pourquoi ne revenez-vous pas avec moi, Monsieur Westhouse? Vous pourriez dire un petit bonjour à votre vieille amie, Manny. Ah. S'il m'arrivait d'essayer ça, mademoiselle Ryan, je vivrais un épisode fort déplaisant. Et je serais définitivement perdu. En plus, j'ai construit cette maison de mes propres mains. C'est du beau travail. Je n'ai pas envie de l'abandonner à ces barbares. Hein? Et qu'est-ce que Stark a donc à m'offrir, hein? Ce monde-ci m'est désormais familier. Non, allez-y, mademoiselle Ryan, partez. Et que votre attrait pour l'inconnu vous épargne un nouveau franchissement. Merci de votre aide. Salut Manny de ma part. Dites-lui... Dites-lui que tout va bien. Et que je le remercie. Et voilà! Une baffe! Colvin, grosse tarte dans la gueule! Mon Dieu, c'était vrai! Tout est vrai, je l'ai vu! J'ai vu l'autre monde. Arcadia. Soit je deviens folle, soit vous aviez raison sur toute la ligne. Non, tu deviens folle. On va plutôt choisir la deuxième solution, hein, mia amiga? J'en conclus que ton voyage s'est bien passé. Bien passé? Mais c'est le monde à l'envers, vous voulez dire. Rien de tout cela n'a de sens. En fait, je ne crois pas à la magie. Ça, c'est con. Le soleil n'a pas besoin qu'on croie en lui pour se lever le matin, señorita. Tu as vu la vérité de tes yeux. Que dire de plus? C'est à toi de choisir, maintenant. Choisir quoi? Je n'ai pas vraiment le choix. Je dois au moins croire une partie de ce que j'ai vu. Sinon, ma vie n'aura plus aucun sens. Tu es une vraie sceptique, April. Está bien. Il en faut pour tempérer les romantiques invétérés comme moi. Qui êtes-vous vraiment, Cortés? Comment ça?
Les gens vous connaissaient là-bas à Arcadia. Tobias, il ne connaissait pas votre vrai nom, mais il savait qui vous étiez. Et Monsieur Westhouse, il vous connaissait aussi, sous le nom de Chavez. Mais il y a plusieurs centaines d'années. Alors comme ça, plus de mystère. Je n'irai pas jusque-là. Vous demeurez une énigme pour moi, vraiment. Bien. Vois-tu, señorita, le mystère, c'est important. Tout savoir, connaître toute la vérité, c'est triste. Il n'y a aucune magie là-dedans. La magie, c'est de ne pas savoir, c'est de se demander quoi, comment et où. Je voudrais pourtant connaître la vérité. Rien que pour savoir qui vous êtes. Honnêtement, ne le prenez pas mal, mais vous m'effrayez, Cortés. J'ai peur de vous. Et tu n'es pas la seule, mi amiga. Je suis désolé, mais si je suis mystérieux, je dois le rester. Il y a des choses que même toi ne dois pas savoir. Qu'est-ce que tu... Eh bien, merci. Vous m'êtes d'une grande aide, vraiment. Pardonne-moi. Peut-être plus tard, lorsque nous serons certains du futur. Oui, je te le promets, señorita Ryan. Plus tard. Mais pour l'instant, nous devons parler de choses plus importantes. Vous m'avez aidé à revenir, n'est-ce pas? Pour le passage, si. Même si tu détiens le pouvoir, tu as encore besoin de moi pour concentrer tes forces, pour faire ressurgir tes rêves. Mes rêves? Eh ouais. Oui. Pour voyager d'un monde à l'autre, tu dois traverser le monde des rêves. C'est la seule façon. Tu es capable d'ouvrir un passage par toi-même, mais tu pourrais ne pas y arriver. Comment ça? Le pouvoir, la magie est en toi. Pendant ton sommeil, il t'arrive d'ouvrir la porte inconsciemment. Mais lorsque tu es éveillé, c'est plus difficile. Avec de la pratique, tu y arriveras. D'accord. Mais je n'ai pas envie de le faire. Pourtant, tu le dois. Le monde en dépend. Lequel? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Minstrum t'a-t-il expliqué à propos de l'équilibre, à propos de Stark et d'Arcadia? Un homme du nom de Tobias, appelé le Vestrum, je crois. Oui, c'est ça, Vestrum Tobias. Ah, comme ça Tobias est devenu un Vestrum, Kevin. Je savais qu'il irait loin la première fois que je l'ai rencontré, il y a des années. Il n'était qu'un Istrum à l'époque, un étudiant de l'équilibre, mais déjà intelligent et plein de ressources. Alors tu sais ce qui se passe avec l'équilibre? Tobias m'a dit que... le gardien... le gardien a disparu et l'équilibre est en train de sombrer. Il a dit que cela risquait d'engendrer le chaos dans les deux mondes. Tu vois, tes rêves, tes cauchemars sont inextricablement liés. Tu ressens le chaos plus intensément que les autres. Mais même eux commencent à remarquer que quelque chose ne va pas. Comme la nuit dernière. Pourquoi? Que s'est-il passé la nuit dernière? Ce que tu as vu. Tu n'étais pas seul cette fois, et les autres ont vu la même chose que toi. Ce ne sont plus des cauchemars, c'est la réalité, c'est le premier signe de ce que le chaos peut engendrer. Le partage est en danger. Oui, ça c'est à cause de... L'heure d'unir les deux mondes n'est pas encore venue. Une violation du partage pourrait s'avérer catastrophique. Bon, que dois-je faire alors? Nous devons travailler ensemble, April. Je ne peux pas le faire seul, et toi non plus. Mais en quoi consiste ma tâche, exactement? 4 choses. Nous devons trouver le gardien disparu. Nous devons trouver la passerelle vers son royaume, puis le disque servant de clé pour pénétrer dans sa tour. Enfin, tout ce qui est en notre pouvoir pour affaiblir, puis vaincre les éclaireurs. Et attends, les éclaireurs, c'est parce qu'ils ont une idée différente qu'il faut les vaincre, mec. Je sais que c'est à cause d'eux qu'il y a le bordel, mais n'empêche que ils ont leur idée, c'est pas pour autant qu'il faut les buter, quoi. Bah, quoique, on pourrait les comparer à des extrémistes, effectivement. Les extrémistes, faut les buter, en général, c'est mieux. Comment allons-nous trouver le gardien? Lorsqu'il a rendu son trône et quitté son royaume, il est revenu dans notre monde, ce monde-ci, Stark. C'est ici qu'il est né, c'est ici qu'il doit revenir. Mais il peut être n'importe où.
Cette ville concentre le pouvoir, April. Pas la magie, l'opposé de la magie. Et elle attire les gens comme les insectes vers la lumière. Toutes les pièces du puzzle se rassemblent ici. Toi, moi, l'éclaireur, le gardien. Pourquoi l'éclaireur? Je crois qu'il y en a plusieurs. Je te garantis qu'il est ici. Mais où exactement, je n'en sais rien. Peut-être que les éclaireurs le savent, eux. Je pense qu'ils l'ont capturé. S'ils l'ont capturé, comment allons-nous le récupérer? Et pourquoi ont-ils besoin de lui? Pourquoi avons-nous besoin de lui? Il a quitté son royaume. Mais comme il est le dernier gardien, il est le seul à pouvoir ouvrir à son successeur le chemin vers son royaume. L'éclaireur le sait. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est comment y aller. Ah, c'est là qu'entre la clé, j'imagine. Qui peut savoir quelque chose sur la passerelle vers le royaume du gardien? Je n'en sais rien. Personne ne le sait ici, à Stark. Tu dois aller à Arcadia, étudier les livres, parler au Minstrum et à tous ceux susceptibles de te renseigner. Mais avant, nous devons terminer notre mission ici. Où est la clé du royaume du gardien? À Arcadia. Cette clé contient les deux parties. L'une est le disque lui-même. Et l'autre, ce sont les quatre pierres précieuses, les yeux des dragons, qui confèrent au disque les propriétés de l'équilibre et en font un élément en soi. D'accord. Ça commence à faire beaucoup de trucs à retenir là. Hein. Moi, je commence à avoir un peu de mal à suivre personnellement. J'espère que vous y arrivez. Ça commence à faire beaucoup quand même. Mais où est ce disque? Ça devient indigeste. Le disque a été confié à la garde de la Sentinelle il y a 10 000 ans. Au début, tout le monde pouvait le voir, mais à présent, il est caché. Ils savent où il est. Et les quatre pierres précieuses? Ah, les yeux des dragons. Ils sont gardés par les quatre dragons eux-mêmes. 2 à Arcadia et 2 à Stark. Le dragon blanc en a un, et l'ancien aussi. Cela, c'est à toi de les trouver. Pourquoi pas les autres? Je t'aiderai pour les autres. D'accord. Comment pouvons-nous vaincre les éclaireurs? Les éclaireurs sont puissants ici, et de plus en plus. Même à Arcadia, ils commencent à gagner du terrain, surtout qu'ils contrôlent le Tyrène. Cela augure de mauvais présages. Putain, t'en sais des Comment choses. Comment savez-vous autant sur Arcadia? Bah ouais. Des voix murmurent à mon oreille, señorita. Des voix en qui j'ai confiance. Vous dites que les éclaireurs sont très puissants ici. Comment se fait-il que je n'ai pas entendu parler d'eux? Ils ne sont pas connus sous ce nom ici. As-tu... Bien sûr, ils sont... Oh, ce sont les éclaireurs! Si. Effectivement, ils sont puissants, très puissants. Mais pourquoi... Pourquoi ont-ils un autre nom ici? À Arcadia, ils étalent leur philosophie. Ils prêchent la destruction de l'équilibre sous prétexte de faire retrouver à l'humanité les gloires du passé. Ici, ça ne passerait pas. Alors ils se sont intégrés lentement mais sûrement dans la société, en usant de la religion New Age. Et ils ont bâti un empire financier qui leur permet de rivaliser avec les gouvernements. Ouais, super. Mais ils sont aussi riches que ça? Les éclaireurs possèdent des multinationales. Ils possèdent même des planètes, April. Et des armées. Tout ce qui leur manque, c'est l'équilibre. Et alors ils auront tout. Les mondes jumeaux seront à leur merci. Nos D'accord. chances sont inexistantes alors avec un ennemi pareil? Si nous parvenons à contenir les forces du chaos et si nous assurons la continuité naturelle du rôle du gardien au sein de l'équilibre, alors nous aurons gagné. Ça fait un peu seul. Et comment sommes-nous ça. Censés combattre ce chaos dont vous n'arrêtez pas de parler? C'est toi la clé de ce combat, April. Tu as le pouvoir du passage, mais ce n'est pas tout. Tu es une enfant. Par le simple fait que tu vis, tu combats le chaos. Sans toi, la nuit dernière aurait pu tourner à la catastrophe. Il aurait peut-être été impossible de faire machine arrière. Mais je n'ai rien fait. Justement, imagine ton pouvoir si tu fais quelque chose. Crois-moi, amiga, combattre le chaos est instinctif chez toi. Tu as cette clairvoyance et tu sauras exactement quoi faire. Arcadia a besoin de toi, car le chaos fait partie de sa réalité. Le raz-de-marée va s'abattre là-bas d'abord, et notre seule chance est de le contenir avant qu'il ne frappe Stark à toute force. Mm-hmm. Tu vas donc devoir partir à Arcadia, dès que nous aurons terminé. Bon, si j'ai bien compris, le topo c'est dégommer 2-3 éclaireurs, trouver le gardien, trouver l'entrée de son royaume, puis un vieux disque de 10 000 ans et 4 pierres d'œil de dragon. Et, oh, j'oubliais, surtout, April, n'oublie pas de combattre les manifestations physiques du chaos pendant que tu y es. Parce que, hein, c'est ta destinée. Voilà, tu comprends. Mais c'est impossible, Cortès. Je peux pas faire ça, j'ai 18 balais. Je suis une artiste. Non, même pas, je suis personne.
Vous ne pouvez pas me coller toutes ces responsabilités sur les épaules, c'est trop pour moi. Putain, t'as 18 ans, t'es jeune. Je t'aiderai, April. Et d'autres t'aideront aussi. Tu n'es pas seule. Ben pourtant, je me sens très seule. Et je peux même pas le dire à quelqu'un. Et salut, ça va, c'est moi l'élu. Tu voudrais pas m'aider à sauver le monde du mal et du chaos? Il n'y a pas d'élu, April. Il y a seulement ceux qui le feraient et les autres. Tu dois choisir ton camp. Ouais, ben les autres s'en occupent. Mais vous avez dit que j'avais des pouvoirs, que je n'étais pas comme les autres. C'est vrai. Mais tu as quand même le choix. Toutes les prophéties du monde ne pourront jamais entamer la volonté d'un seul homme. Tu es l'un des innombrables chemins possibles. Malheureusement, la plupart des alternatives sont bloquées par des circonstances qui échappent à notre contrôle. Ok, c'est le précis. Le monde dépend de toi, mais tu n'as pas été élu. C'est à toi de choisir ce que tu es et ce que tu veux devenir. Je veux être Néo. Qu'est-ce qui se passe si je réponds hors de question ? Qu'est-ce qui se passe si je choisis non, c'est hors de question ? Je ne suis pas diseur de bonne aventure, ni venard. Ce qui va se passer, quelque chose d'autre. Mais je peux dire que ça ne sera rien de bon. Mais je sais que ça ne sera rien de bon, sauf si tu acceptes... La décision est entre tes mains, April. Je n'ai pas vraiment le choix. Vu le contexte, peut-être pas. Mais c'est quand même à toi de choisir. C'est rassurant. Si j'ai bien compris, la décision doit être « oui, sauvons le monde ». Et où commençons-nous ? Ici, à Newport. Nous devons trouver les éclaireurs. Leur QG est dans cette ville. Mais où ? Ont-ils enfermé le gardien ? Quelles sont leurs faiblesses ? Lorsque nous aurons réglé ces questions, tu devras partir à Arcadia. Moi, je ne peux pas y aller. Et de toute façon, je dois m'occuper de certaines choses ici. Pourquoi tu peux pas y aller ? Parfait. Juste un petit détail. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver des renseignements sur les éclaireurs, bon sang ? À la bibliothèque, peut-être ? Mais suis-je bête sur le net, voyons. J'oubliais le net. Oh non. Les informations précieuses sont difficiles à trouver. Tu te souviens du tableau que je t'ai montré hier ? Ouais. L'artiste, un dénommé Warren. Je t'ai parlé de lui, n'est-ce pas ? Warren a été impliqué dans de nombreuses activités, disons... pas tout à fait légal. Il a des relations, il pourrait nous aiguiller. Ok, et où peut-on trouver ce jeune homme ? J'ai un ami, le père Raoul, à la cathédrale de la rue de l'Espérance. Je sais qu'il était récemment en contact avec Warren. Demande-lui. Attends, tu as bien dit rue de l'Espérance ? Oui. La rue de l'Espérance du quartier le plus dangereux de Newport ? Oui. Ah bon ? En général, je ne suis pas très concerné par les problèmes municipaux. Je me rappelle la rue de l'Espérance lorsqu'elle a été construite. C'était un quartier très bien. Alors ça doit être il y a très longtemps. Mais ne t'inquiète pas. Tu ne cours aucun risque. Tu es une femme, et un gentleman digne de ce nom ne ferait jamais de mal à une femme. C'est justement le gentleman digne de ce nom qui m'inquiète. Enfin, je me débrouillerai. Le père Raoul, c'est ça ? À la cathédrale de la rue de l'Espérance. Oui. Il te guidera dans la bonne direction. Il t'aidera à trouver Warren Hughes. Quand tu auras terminé, demain, retrouve-moi à la cathédrale en fin d'après-midi. Je dois aussi parler au père Raoul. Ok, on dirait que notre plan est échafaudé, apparemment. Amuse-toi bien ce soir, April. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. Bonne nuit. Oh, je suis dans la merde. Ce soir, il faut que je me fasse défoncer le fion par l'autre, là. Ça va être génial. Je croyais qu'il faisait nuit. J'ai encore les punks de la dernière fois. Bien, vous avez compris un petit peu tout ça, je pense. Il se fait un peu tard pour se rendre en ville. Je pense que je vais rester à Venise. Non, mais c'est pas ça, justement, je voulais te dire d'aller... j'ai cliqué trop bas, en fait. Donc, j'allais rejoindre l'autre connard. Vous savez, celui qui me demande si je baise dès le premier soir. Que j'ai pas eu le choix de dire oui. Putain, je sens que ça va pas le faire. Je sais plus où je vais le trouver d'ailleurs. Ici ou... De longues heures à faire aujourd'hui. Oui, malheureusement.
Quel spectre? Tu sais pas qui joue? J'ai eu d'autres soucis en tête ces temps-ci, Charlie. Quelqu'un de bien? Tu plaisantes? Roy Hindell. C'est le premier concert de leur nouvelle tournée. Une espèce de retour aux sources avant de s'attaquer à d'autres salles plus grandes. Ce soir? Super, c'est parfait. Surtout ce soir. Ouais. Rien, juste un peu... T'as pas l'air très sexy non plus. Enfin, je veux dire, tu es toujours sexy, mais tu sembles crever, un peu fatigué. Tu le penses? Ouais. Tu sais bien que pour moi, tu es la plus belle fille au monde. Je te l'ai déjà dit. J'ai juste du mal à m'y faire, c'est tout. Merci, Charlie. Tu es adorable. Emma est là? Je l'ai pas vue, mais elle est au courant pour le spectacle. Donc... Le concert commence... Dans moins d'une heure. La salle va bientôt être bondée. Tu ferais bien de te trouver une place. Merci, Charlie. De rien. Je vais vérifier au fond parce que je sais qu'il y avait l'autre connard à qui je devais aller parler. Là. Oh, il est là, j'ai un peu. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. Il y a Emma qui arrive, d'accord. Donc bon, bah, on va avoir droit à un petit spectacle apparemment. Ça va pas être ce qui était prévu. Tant mieux. Alors t'étais où toute la journée? T'es pas venu en cours? T'étais pas au boulot? Et ensuite Fiona me dit que tu cherches encore Cortès. Et pour couronner le tout, Zack se vante d'avoir obtenu un rancard avec toi. Ah zut, j'ai complètement... Il va me tuer si je me pointe pas, c'est tout. Tu veux dire que c'est vrai? Tu sors avec cet enfoiré? Je lui dis que c'était que des bobas. J'avais besoin d'informations. Et t'es prête à te vendre pour les avoir? Après, il t'est folle. Il ne te reste plus qu'à le décevoir. J'ai promis. À cette ordure? C'est le... Ah, je sais pas trop, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a aussi le karma de mademoiselle. Hein. Est-ce qu'elle va tenir sa promesse ou pas? Oh, pire, je lui pète les dents. Une promesse, c'est sacré, je dois y aller. C'est louable, mais pas très malin. Tout ce qui l'intéresse, tu sais, c'est de coucher avec... Il peut faire une croix dessus. J'y vais, mais je reste qu'une heure. Je lui dirai que je suis fatiguée. Connaissant Zack, il va croire que c'est une invitation pour entrer dans ton lit. Mais je vois que t'as pris ta décision. Vas-y, amuse-toi bien. Ouais, c'est clair, je sens que je vais m'amuser comme une folle. Un fou, un dingue, une dingue, enfin, merde, voilà, putain, c'est ça qui est chiant avec des personnages féminins, quoi. Chapter 3, Friends and Enemies. Oh mon dieu, quel mal de tête. Je préfère avoir un mal de tête qu'un mal au cul, personnellement. Bon. Pourtant, j'ai pas bu tant que ça, mais j'ai bel et bien voyagé dans un univers parallèle. Ce qui expliquerait ce besoin étrange de me recroqueviller en position fétale. C'est pas que ça m'enchante particulièrement, mais il faut vraiment que je retrouve ce Warren dont Cortès m'a parlé dans la rue de l'Espérance. Et il ne manquerait plus que je tombe sur Zack. Il vaut mieux oublier le rendez-vous d'hier soir. Et je parle pas seulement du plotage et du coup de pied que je lui ai flanqué dans l'aine. Disons qu'il s'est rien passé. Elle s'est fait ploter, donc du coup, il a cassé... c'est bien ce que j'ai dit, un bon coup de pied dans les testicules. Hein. On va y voir le journal. Ok... Faites pause hein, pour lire, hein. Je prends pas le temps de dire. Sauf si j'ai besoin d'une information capitale, alors là c'est pas vraiment le cas. Voilà. On reprend la partie. Bon alors, hop, on y va. Ah merde, il est là. C'était quoi ton putain de problème hier soir, espèce de salope? Pardon? Comment? Je t'emmène dans un club hyper classe, je t'offre à dîner et à boire, et toi tu me flanques une putain de gifle! Et tu ne t'es pas demandé pourquoi je t'avais giflé, Zack? J'en ai rien à foutre, tu vas le regretter. Que vas-tu faire? Tu vas voir, April Ryan. Putain, comment je te lui éclaterai les jambes à ce mec-là, là, je te ferai bouffer les genoux par les tibias. Enfin, Non, genoux et tibias, c'est pas très loin. Non, il aurait fallu que je fasse passer par les épaules, en fait, ça aurait été sympa, ça. Ouais. Les genoux par les épaules. Ouais, c'est bien, ça, les genoux par les épaules. C'est un bon plan, ça. C'est bon? Oh, y'a personne. D'ailleurs, j'ai toujours pas rencontré Mickey, je sais pas où il est. Mickey Rourke. La télé est éteinte. Ouh, dis donc, il y a eu changement par ici, c'est passé quoi? On va voir pour le dépichage des fois qu'il y a un truc décrit dessus. Soirée pizza et ciné, soyez sympa, baissez le volume. Poster un géant, sportif.
Liste de service. Tableau de service de la salle commune. 27 juillet. Après les mâts. Quelle joie des travaux manuels. Ok, bon. On se barre et on va rue de l'Espérance, comme c'était dit la dernière fois. Bon, ici on n'a plus rien à faire, donc on se barre. Allez, c'est définitif. J'ai plus rien d'autre à faire. Alors, voyons voir ensuite par où on va aller. Donc du coup, je me suis quand même attiré des problèmes, mais bon. Je sais pas, il faut que j'aille trouver Warren, le prêtre. D'abord, et Warren, ensuite. Rue de l'Espérance, avec un nom pareil, ouais, c'est... Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est... Si, c'est Stéphane Guillon qui disait ça dans un de ses sketchs. T'as vu, plus le nom d'un quartier est joli, et plus c'est pourri. Rue de l'Espérance. Sport de vivre, sûrement, encore un petit peu. Le métro. Donc ensuite, direction rue d'Espérance. Voilà, merci. Il est un peu mal à charger aujourd'hui. Hein. Ça arrive des fois qu'il a un peu de mal comme ça. 25 minutes, est-ce que je m'arrête ici ou est-ce que je vais rue d'Espérance? Je sais pas, on va regarder. Rue d'Espérance, on va à rue d'Espérance et puis après je m'arrêterai. Ah oui, ça a l'air sympathique, effectivement. Elle est partie. Elle est partie. Elle dit pas ça comme ça, on dirait qu'il est mort, le mec. Il a l'air de savoir comment manipuler ce tuyau en acier. Le patron, à en juger par son uniforme. Je dirais qu'il est l'un des rois de la rive ouest. Ils ont des affiches de recrutement dans toute la ville. C'est marrant qu'on ait la même chose en France. Vous savez, des affiches de recrutement pour des dealers, c'est « cherche dealer » et tout. Je crois qu'il a des ennuis. Non. Non, 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 il n'y a pas d'ennuis, t'inquiète, tout va très bien pour lui. Hein. Putain, faut que j'aille. D'accord. C'est vrai que c'est pas très chouasse par ici, hein. Je me demande comment ils allument ces cierges. Ils ont des échelles ou des sacs à réaction? Quelle idée bizarre! Des prêtres avec des fusées dans le dos. Ça donnerait sûrement une nouvelle dimension aux vêpres. Jolie cathédrale. Vu le voisinage, c'est un miracle si elle est encore intacte. Ce sont peut-être des vitraux par balles, spécialement conçus pour les églises des quartiers déshérités. T'y crois à ça, toi? Il y a un confessionnal, c'est le seul coin où je peux aller, donc direction confessionnal. J'ai le petit machin en plein milieu là-bas qui court, là, vous voyez, hop là, c'est moi. Ah. Oh. C'est un prêtre. Ça, je l'aurais remarqué, merci. Donc, les amis, on va s'arrêter ici, parce que je pourrais me lancer dans une longue séance de dialogue qui va durer encore 3 quarts d'heure. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à plus tard. Allez, ciao!